même pas, c'est moi qui te parle, moi, ton grand frère. Que cela te fasse mal ou pas, moi, je m'en fous, mais moi, je te demande. Longola bato wana. Ce qui est au banga, que Baminé Bako Boumayo, bon, tika politique, ça a commerce au Sara. C'est simple. C'est simple. Tika politique, ça a commerce au Sara. C'est simple, tu vivras toujours. Il n'y a pas que la politique qui fait vivre les gens, sinon le Congo entier serait un Congo de politiciens. Mais il y a des gens qui vivent avec le Matembele, avec le Ndunda. Ils mangent, ils ne sont pas des politiciens. Mon frère Jean-Pierre Bemba, tu t'es sali en faisant alliance avec une bande de milassos politiques. Voyez Balamou, Banambo Kanyoso, vous allez bande à Congo, la diaspora partout au travers le monde. Merci de choisir ce programme à congodialogue.com et cette émission, l'espace dialogue, là où la réflexion et la connaissance se rencontrent. Très ravi de savoir que vous êtes très nombreux à nous suivre. Vraiment, on est en train de rire avec le président tout à l'heure que mes bazot tout à présent au Bungi, aux Oyokana et société. Dans une semaine ou deux semaines d'absence de la télévision, président, ça devient vraiment un scandale. Les gens crisent hein, d'informations. Bon, en fait, nous vous signalons que le président a d'autres occupations aussi, non seulement de venir passer à la télé chaque fois. Alors l'avoir comme ça, c'est vraiment un privilège et beaucoup de sacrifices de passer à la télé pour n'en couper sa bise aux informations et puis plutôt réfléchir ensemble. Donc apaisez-vous, si vous ne voyez pas le président dans vos petits écrans pendant une ou deux semaines, c'est suite aux occupations qu'il a ici en Afrique du Sud. Merci de choisir ces programmes. Alors nous allons réfléchir ensemble par rapport à l'actualité qui se passe actuellement. Pendant le silence que le président n'apparaît pas à la télévision, Torso Lansan Benaye, merci. S'il y aura des questions que vous avez l'habitude de dire et des commentaires, n'hésitez pas, nos numéros seront bientôt fichés dans vos petits écrans. Et bienvenue, monsieur le président Kilele. Merci de me recevoir sur votre plateau. Merci et salut à tout le monde, tous les compatriotes. Merci. Allons rapidement à l'actualité. Pour le moment, il y a la Coupe du Monde qui bientôt va terminer. On a remarqué la sortie précoce des équipes africaines et il y a eu des tiraillements, même parmi nous les Congolais, il y a eu quand même des séparations, les uns supportaient la France, les autres la Belgique, ainsi de suite. Votre point de vue par rapport à la sortie prématurée, s'il faut utiliser le terme, des pays africains? Oui, ça prouve plus d'une fois que les Africains ne sont pas sérieux quand il s'agit de mener un projet à bon port. Et nous savons que nos joueurs sont tiraillés et quand ils viennent chez nous sur le continent, ils viennent ou ils reviennent par complaisance. Bon, quelque part, ils ont aussi raison, quoi. Mais je voulais dire, ils évoluent dans des équipes où on les paye beaucoup d'argent, d'après ce que nous apprenons. C'est aussi publié, donc ce n'est pas un secret des Polichinelles. Mais dans leur propre pays, ils sont méprisés à cause de la désorganisation de l'administration ou des administrations de nos pays qui ne voient pas la valeur de ces jeunes gens, de ces jeunes talents. Alors un joueur a peur, par exemple, de se briser les jambes quand il vient prester ses services à l'équipe nationale de son pays respectif. Et sachez qu'il peut se briser la jambe, le cou ou même mourir. Il n'y aura presque pas de compensation, ni pour lui, ni pour sa famille qui reste survivre après sa mort. Par contre, en Europe et partout, tout comme aux États-Unis, les joueurs et les athlètes ont chacun une couverture médicale qui fait que quand il y a blessure, quand il est mort, ce joueur doit recevoir des compensations. Et s'il faut voir l'évolution mensuelle, ce qu'il touche comme un salaire mensuel, c'est incommensurable, c'est incomparable avec ce que son pays lui donne quand il vient prester pendant un ou deux mois, ou pendant même une semaine, ou un mois surtout, pendant la compétition de la CAN. Alors ils ont parfois raison de se préserver pour que leur carrière ne soit pas prédatée. Bon, mais quelque part aussi, c'est une trahison parce que
C'est ce continent qui vous a vu naître. Il faut défendre les couleurs du continent. Malheureusement, c'est ce qui n'arrive pas. Les anciens joueurs de l'époque de Roger Milla jouaient ce football, ce sport, pour le plaisir de jouer et peut-être pour le prestige. Quant à voir la prestation de l'équipe camerounaise dès l'époque, comparée avec nos jeunes joueurs d'aujourd'hui, c'est vraiment incomparable. Alors, ces gens-là avaient un engagement patriotique, un souci patriotique pour défendre la fierté nationale, quand bien même qu'ils n'avaient pas de l'argent. Alors, leur sortie précoce est due à cette dichotomie dans leur façon de raisonner. Ils veulent préserver la longueur de leur, ou la longévité de leur carrière, que la sacrifier pour des pays qui sont ingrats, parce que nos pays sont tellement ingrats. Donc, je leur donne raison, d'une part, et je les condamne, d'autre part. Sauf que ça humilie l'Afrique, et ça prouve plus d'une fois, dans les commentaires des Occidentaux, que l'Africain est faible et improductif. Voilà, même en sport, il ne faut rien pour leur continent, il ne faut rien pour leur pays. La même chose, il y a la phrase qui circule depuis des années, les sociologues ont parlé des nobles noirs qui est là, resté chez soi, et c'est un paresseux. Donc on labelle l'Africain comme étant un paresseux, et une personne qui est incapable de produire, quand bien même qu'il s'assoit sur des richesses tant naturelles qu'artificielles. Donc c'est une honte pour nous, l'Afrique, d'être débarqué si tôt. Bon, mais quelque part aussi, il y avait quelques égratignures de l'injustice, où nous avons vu, par exemple, je pense que c'était lors du match du Sénégal ou du Nigeria, où réellement l'arbitre devait leur accorder un penalty. Ce penalty ne leur a pas été accordé, mais si c'était un pays occidental ou un pays, soit dit un pays blanc, asiatique, quand bien même qu'on appelle les Asiatiques les jaunes, on allait accorder ce penalty. Mais pour se débarrasser de la négritude, l'arbitre a fermé les yeux et il n'a pas sanctionné la faute qui était commise par les joueurs de l'équipe adverse. Donc, quelque part, la Coupe du Monde, parfois plein d'injustices, mais celle qui se passe en Russie, c'est une grande première. J'aime l'organisation et je félicite l'équipe russe, dont les joueurs n'étaient pas connus nulle part au monde, ils n'ont pas de vedettes sportives. Hein. Bon, nous connaissons qu'ils ont des équipes telles que le Lokomotiv sportif de Kiev, etc. Mais ils n'ont pas de vedettes de la trempe de Didier Drogba, de Samuel Eto'o, de Thierry Henry, qui sont connus mondialement. Mais voilà que ces jeunes gens se sont hissés jusqu'au quart de finale, je pense. Et en tout cas, beaucoup de fleurs à l'équipe russe, beaucoup de fleurs au président Poutine et à tous les humains russes qui ont organisé cette coupe contre vase et marée, parce que l'Occident nous a toujours présenté la Russie comme étant un pays des dictateurs, un pays des communistes, un pays pauvre où les gens souffrent et il n'y a pas la technologie, mais les infrastructures qu'on voit aujourd'hui, c'est incomparable à ce qu'on a vu au Brésil. L'Afrique du Sud, n'en parlons même pas, c'est incomparable avec ce qu'on a vu dans d'autres pays. La Russie a montré qu'elle est une grande puissance et que les pauvres occidentaux, qui sont des voleurs, qui vivent grâce au pillage des richesses de l'Afrique, se taisent. Ils doivent se taire parce que la Russie ne pille pas ce qu'ils appellent le tiers-monde. La Russie s'est développée avec ses propres matières naturelles et artificielles, et sa matière grise, je veux dire l'intelligence.
La Russie a prouvé qu'elle peut vivre elle-même. Contrairement à la France, contrairement à la Belgique et à l'Angleterre, qui est le centre de la mafia économique mondiale. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président, Président Kilele, Président national congolais ici en Afrique du Sud. J'ai aimé la réflexion, je n'ai pas pu y penser. Si les Africains sont sortis très tôt, bon, ils sont conscients, même les joueurs, ils savent. Nous ne voulons pas trop mettre d'énergie, parce qu'en faisant cela, le pays en question, ils vont nous dire seulement merci et puis c'est tout, hein. Et voilà pourquoi bon, ils se sont préservés, parce que la plupart sont des professionnels. Ils jouent en Angleterre, ils jouent en Espagne, et ainsi de suite. On n'a pas pu penser à cela. Bon, quand bien même qu'ils sont sortis. Parlons un peu de l'aspect la France ainsi que la Belgique. Les deux équipes qui, aujourd'hui, bon, coup de chapeau à la France, ils sont maintenant à la finale. Un Belgique qu'ils ont quitté il y a quelques jours. Lorsque nous voyons la composition de l'équipe française et la composition de l'équipe belge, nous voyons, on se dit qu'il y a plus et plus des Africains là-dessus, et la majorité au moins des Congolais. On se dit plutôt, quoique la Sénégal, Nigeria et puis ces équipes, Tunisie, Maroc, ils sont partis, mais nous voyons la représentation des Africains parmi ces deux équipes-là. Votre impression? Ça n'apporte rien à l'Afrique. Ce sont des mercenaires sportifs. Oui, ce sont des mercenaires sportifs et qui travaillent au nègre. Ils font le travail du nègre. Le nègre travaille pour le soi-disant blanc. Et c'est comme M. Le Pen l'avait dit un jour, je crois en 1988, il a dit que la France n'a pas gagné la coupe. Ce sont les Africains qui ont gagné la coupe pour la France. Ce qui est vrai, ça rentre dans l'historique et l'anthropologie de l'origine de l'homme. Il prouve que la plupart des grandes valeurs proviennent de l'Afrique, parce que c'est le continent berceau qui a produit l'homme que nous avons aujourd'hui, et qui se fait appeler blanc, et qui se fait appeler jaune, et qui se fait appeler ce pas rouge. C'est l'Africain qui est le plus grand athlète du monde, le plus grand sportif, le plus grand musicien et le plus grand savant, quoi qu'il arrive. La vérité commence à sortir petit à petit. Mais je n'étais pas ici dans la discussion de l'anthropologie. Je voulais donc répondre à votre question que bon, les Français, les Belges doivent être contents qu'ils ont des mercenaires dans leur équipe, hein, et qui jouent pour eux. Oui, ce n'est pas différent de l'époque de la traite, de l'esclavage, de la traite des Noirs, où ils venaient s'emparer de la main d'œuvre nègre pour aller construire des routes chez eux, construire des immeubles chez eux, construire des bateaux et travailler dans des plantations. De passage, vous devez savoir que ce sont les Noirs qui ont construit la Maison Blanche et ils n'ont jamais perçu un cent pour cette construction. Les soi-disant blancs sont venus prendre les Noirs pour travailler dans leurs plantations. C'était la première richesse de l'occidental, qui se fait appeler faussement l'homme blanc, d'utiliser la main d'œuvre de l'homme noir pour cultiver des vastes champs et vendre la nourriture à l'Afrique et à travers le monde grâce à la main d'œuvre de l'homme noir. C'est la même chose dans les sports. Ce sont des esclaves, ce sont des affamés qui sont partis ou qui sont nés, bon, parce qu'ils doivent vivre, ils doivent travailler et mériter la sueur de leur effort, de leur énergie. Mais ce sont des esclaves sportifs. Et ils ont raison, parce que nos pays sont incapables de s'organiser et de sponsoriser les efforts de ces jeunes gens
et de tout le talent qu'ils incarnent. Donc je les blâme d'un côté et je leur donne raison de l'autre côté, mais sauf que la France et la Belgique et d'autres pays d'abord ne doivent pas s'enorgueillir parce que c'est l'énergie africaine, c'est l'énergie de l'homme noir. Ce ne sont pas eux qui jouent. Bon, les Congolais doivent avoir honte. Les un ou les deux tiers de chaque équipe est composé de Congolais. Mais ils ne jouent pas pour nous, pour me répéter. Ils jouent pour la France et ils jouent pour la Belgique et d'autres pays. Ce qui est dommage, ils sont partis loin de leur terre pour faire le prestige des esclavagistes qui sont les Européens. Donc nous ne devons pas être fiers d'eux, nous ne devons pas soutenir ni la France, ni la Belgique, parce que si l'un de ces pays gagnait la coupe, cette coupe ne sera jamais gardée dans les musées d'aucun des pays africains, plus particulièrement du Congo. On ne va pas garder ça au Congo. C'est une coupe qui sera gardée dans les ministères des sports, soit de la Belgique ou de la France. Ce ne sera pas notre coupe. Donc ce sont des esclaves sportifs, mais qui se réjouissent de l'argent qu'ils vont gagner parce qu'ils ont travaillé pour ça. Au moins, la modernité leur donne raison qu'ils méritent une rémunération après avoir transpiré comme ils transpirent pour le prestige et l'image de l'être le plus ingrat au monde, l'occidental, qui s'ignore qu'il est noir, mais avec une peau décolorée. Il se dit qu'il est supérieur à nous alors qu'il est un noir incarné, parce que malgré les changements de la pigmentation, les gènes demeurent les mêmes. Nous avons le même génotype malgré la réduction de la mélanine dans notre sang et dans notre peau. Les blancs, c'est un noir qui s'ignore. Les blancs, c'est un noir qui s'ignore. Président, merci beaucoup. Parce que Zanaba, un des combattants, les spectateurs, même pendant le match, ils ont entre même Bissou et Congolais, tout comme qui m'ont un peu partagé. Tout supporter, on appelle les Belges de Noko. Tout affirme parce que les Africains, tout en Anouana. Et puis, comme on le dit, tout en somme des esclaves. Hein, des esclaves, ce sont des esclaves sportifs. Bazom me mara plus un plus une na bamboka mususu quoi que bazom ba nationalité mais bisomo bamboka biska ba botama bazom me mailo comme côté. Votre message na ministère ya sport, parce que nous sommes des Congolais, on a même pas bon. C'est loin que la RDC te éviter à nini mususu RDC ko participer na ba coupe du monde wana. Est-ce qu'il y a un message que vous pouvez donner na ba congolais et puis na ba sportif union so précisément? Merci. Il n'y a pas un ministère de sport au Congo parce que le gouvernement n'est pas le nôtre. OK.